ce mouvement particulier, nous voulions une boîte particulière. C'est clair qu'on a deux autres collections, une montre, une collection Grand Cliff avec des montres rondes, plus classique. On a une collection avec des montres rectangulaires qui n'étaient pas du tout adaptées à ce nouveau mouvement. On s'est dit, nouveau mouvement, novateur, quelque chose qui n'existe pas, on va sortir une nouvelle boîte. Et vraiment, tout le concept à la fois de la boîte et du mouvement a été travaillé en parallèle. Donc le bureau de recherche et développement a travaillé sur le mouvement et on a mandaté un designer pour travailler sur cette boîte. Cette collection TNT nous a aussi donné l'occasion de développer d'autres mouvements qui se mariaient particulièrement bien avec cette boîte sportive et puissante. Il y a le chronographe Penta, il y a la montre Rendez-vous qui est une montre à sonnerie. Il y a aussi un GMT double fuseau horaire et un autre chronographe plus classique, un chronographe avec 60 minutes. Mais ça nous a permis aussi de développer d'autres mouvements pour qu'elles ne soient pas exclusivement attachées à ce mouvement royal rétro et qu'elles entrent vraiment comme une nouvelle collection entière dans la marque Pierre de Roche.